Alors que le compte à rebours du coup d'envoi de la CAN 2021 se resserre, les préparatifs vont bon train. À Tiko, porte d'entrée de la région du sud-ouest du Cameroun, le conseil local a pris des mesures pour que la population ressente la fièvre de la CAN à leur porte. Le maire de Tiko, Son Altesse Royale, le chef Peter Messoso III, a érigé une fan zone avec un écran géant et encourage la population à s'y rendre afin de profiter entre les différentes rencontres des différentes activités récréatives proposées sur cet espace de détente. Ceux qui sont à Tiko, qui n'ont pas peut-être l'avantage d'arriver à Limbé pour voir le match, ici cette zone est arrangée pour eux. Notre fan zone est déjà prête. Cette fan zone est là pour animer notre commune. C'est là pour animer la ville. Et je sais que ça va créer un très grand impact, n'est-ce pas, pour la population de Tiko. Bouba Noël est un motard clandestin résident à Tiko. Il envisage de gagner plus d'argent pendant la période de la CAN 2021. Les motocyclistes de Tiko ont accepté d'intensifier leurs services et demandent donc au gouvernement de les accompagner pendant cette période et au-delà. Avec l'avènement de cette CAN, j'espère qu'il y aura beaucoup de changements et aussi de travail. Nous souhaiterons que nous, les Bensikinais de Tiko, nous soyons toujours propres. Parce qu'il y aura les invités qui vont venir. Et avec ça, nous aurons du travail. Et nous souhaitons que le gouvernement nous laisse travailler. Tabé Humphrey, un habitant de Tiko pour sa part, se réjouit de la venue de la CAN dans la région du sud-ouest. À cela, il demande que la population anglophone donne à la compétition une chance de se dérouler sans accroc. C'est très bon, le CAN, nous tous, le Camerounais, nous sommes les anglophones, je suis anglophone, 100%, je respecte hein, la CAN. Mais le problème, c'est qu'on résout le problème. Mais comme la CAN là est là, on doit faire tout pour la CAN, pour que ça soit très bien. Quand la CAN est bien ici au Cameroun, nous sommes très contents. Les populations de Tiko et de la région du sud-ouest en général sont prêtes à recevoir les invités qui se rendront dans cette région pour la plus grande messe du football africain.